Bonjour, merci. On va d'abord remercier Marc Dambrine d'avoir répondu positivement à notre invitation et de venir aujourd'hui nous présenter sa conférence au sein des rencontres scientifiques organisées par le laboratoire de mathématiques du lycée Louvertou. Donc, le sujet de sa conférence est d'actualité puisqu'il s'agit du modèle mathématique utilisé pour étudier la propagation de la COVID-19. Lorsque Marc Dambrine était en terminale, il n'avait pas encore d'idée précise de ce qu'il voulait faire plus tard, peut-être comme un certain nombre d'entre nous. Après réflexion, il décide de s'orienter vers les classes préparatoires où il découvre sa vocation pour les mathématiques. Il est reçu à plusieurs concours, et il décide d'intégrer l'École normale supérieure de Cachan, où il y prépare son agrégation de mathématiques. Il assiste aussi à une conférence d'Yves Meillès, qui va susciter son intérêt pour la théorie des ondelettes. Il en fera son sujet de thèse de DEA. Donc la DEA, c'est le diplôme d'études approfondies qui correspond actuellement à un Master 2. Après avoir soutenu sa thèse sur les essaims de forme et stabilité de forme critique, il va occuper un poste de postdoctorant aux universités de Lens et d'Oxford. Puis il va être maître de conférence à l'Université technologique de Compiègne. Aujourd'hui, il est professeur et chercheur de mathématiques à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où il est responsable de l'équipe de mathématiques appliquées et de fluides complexes. Je vais maintenant laisser la parole à Julie. Donc, Marc Dambrine travaille aujourd'hui dans la branche mathématique qui s'appelle l'analyse appliquée. Donc, le thème principal de ses recherches est la dépendance de la solution d'un problème aux limites du domaine. Et ses applications sont basées sur la mécanique des solides. Donc, c'est une mécanique qui s'intéresse principalement aux objets que l'on ne peut réduire à un point matériel. Donc, en optimisation de forme, il s'intéresse à la stabilité des formes critiques. Et donc, l'optimisation de forme permet de trouver la meilleure forme possible pour un problème ou critère donné. Et il utilise largement dans ce domaine la dérivée seconde. Il s'intéresse aussi aux problèmes inverses géométriques, donc qui permettent de trouver des paramètres comme par exemple la géométrie d'un défaut grâce à de nombreuses mesures, comme la mesure d'onde diffractée par le milieu. Et ce domaine permet de nombreuses applications comme l'imagerie radar ou l'imagerie biomédicale. Ses travaux l'amènent aussi à travailler dans le domaine de l'analyse asymptotique. Donc, c'est une méthode d'analyse qui permet de classer le comportement d'une fonction dans un voisinage donné. Et il est ici question de comprendre l'influence d'un ou plusieurs défauts dans un problème aux limites de nature elliptique. Donc, en parallèle de ses recherches, il intervient aussi à l'Université de Pau, au niveau master et de licence, où il dispense des cours d'algèbre linéaire, d'analyse et d'optimisation numérique. Donc, si vous avez des questions, attendez la fin de la conférence, où il y aura un temps prévu à cet effet. Nous remercions une dernière fois Marc Dambrine pour sa présence aujourd'hui, et nous lui laissons la parole. Merci beaucoup. Juste une petite chose, c'était Yves Meillère, celui qui m'avait, dont la conférence m'avait passionné quand j'étais en première année à l'école normale, et qui est un très 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 grand mathématicien français, qui a eu le prix Gauss, qui est décerné tous les 4 ans pour des mathématiciens qui ont une contribution exceptionnelle aux applications des mathématiques. Un Gauss ayant été surnommé le prince des mathématiciens, c'est un mathématicien un peu vieux maintenant, un peu il y a quelques siècles, mais qui a fait des choses fabuleuses à la fois en mathématiques théoriques, sur la théorie des surfaces, et en mathématiques appliquées. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas ma spécialité propre. Ça rejoint ma spécialité au sens où ça va mettre en jeu des modèles. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre comment les mathématiques sont un outil
extraordinaire pour traiter de choses extrêmement complexes en les simplifiant. Alors je sais bien que on n'a pas l'habitude de dire que les mathématiques sont simples, mais les mathématiques, en fait, vous allez voir, on va simplifier à l'extrême quelque chose d'infiniment plus complexe qui est la réalité. Et puis à partir de là, on va écrire des choses, on va essayer de voir comment les outils que vous manipulez un peu tous les jours, les suites, les fonctions, les nombres, ben ça rentre dans tout ça et ça permet de comprendre des choses plus complexes. Alors, comme vous l'avez dit, d'habitude, moi je travaille sur des problèmes qui intéressent l'industrie aéronautique ou l'industrie automobile, des problèmes mécaniques. Mais vous avez sûrement entendu parler des mathématiques financières. On leur a beaucoup jeté la pierre autour de la crise des subprimes il y a quelques années. Et puis, actuellement, je vais vous montrer que les mathématiques, ça peut servir aussi en épidémiologie et en biologie. Alors, mon ambition va être essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que ce dont on vous parle à la radio, à la télé régulièrement, et de voir ça avec les outils que vous avez à votre disposition le plus possible. Donc, vous êtes comme tout le monde, depuis le mois de février ou mars, nous vivons à l'heure du Covid, enfin de la Covid. On nous a expliqué que c'était quelque chose qui venait de Chine, on ne sait pas bien d'où ça vient, et puis ça a déferlé sur le monde, et ça impacte nos vies de tous les jours, votre vie de lycéen, comme ma vie d'enseignant, que moi je suis tout à fait ravi de voir des gens face à moi quand je fais un cours, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, à force d'être face à un écran. Alors, ça a réveillé quoi, cette chose? Ça a réveillé la vieille peur des épidémies. Là, vous avez un tableau de Bruegel, qui est au musée du Prado, et qui décrit la peste noire, qui était une épidémie, entre guillemets, mythique, légendaire. En Europe, elle a tué entre 30 et 40 et 50% des gens en 5 ans. Alors, quand on nous parle des chiffres de mortalité du Covid, actuellement, on n'en est pas du tout à cette échelle-là. Donc, la conséquence de la peste a été un impact psychologique énorme sur toute la société occidentale. Et ce qui a choqué vraiment les gens, c'est qu'elle tue indifféremment. Vous voyez ici, typiquement, ce qu'on appelle une danse macabre. Et dans cette danse macabre, alors c'est un peu dommage, on ne voit pas bien, mais vous voyez la mort qui emmène un enfant, qui emmène un noble, qui emmène un paysan, qui emmène un mendiant. Toute la société était atteinte et la maladie frappe indifféremment. Que vous soyez riche, puissant ou pauvre, vous êtes une victime de la même façon. Et la peste a fait des retours sporadiques jusqu'au XIXe siècle. Il y a une grande épidémie de peste qui touche Londres à l'époque de Newton et Newton est obligé d'aller fuir, se réfugier à sa campagne pour quitter la peste. Et alors, on a un bienfaiteur de l'humanité qui s'appelle Alexandre Yersin, qui est une sorte d'aventurier franco-suisse, qui a découvert cette chose ici, qui est le bacille de la peste, qui s'appelle Yersinia pestis, en hommage à Yersin. Et une fois qu'il a découvert ça, ben, ça a permis de donner un remède à la peste. Et on a réglé le problème de la peste. La peste ne tue plus de manière aussi efficace grâce à ça. Alors l'enquête est un peu poursuivie et c'est assez intéressant de voir que on a toujours essayé de se protéger des maladies et de la peste en particulier. Alors au Moyen-Âge, quand la peste a frappé pour la première fois, quel a été le premier réflexe des gens? Ça n'a pas été de se tourner vers la science, ça a été de se tourner vers la religion. On a organisé des grandes processions. Bon, ça n'a pas marché. En fait, les gens sont tombés malades les uns après les autres. Les processions ayant mis les malades en contact avec les non-malades, ça a accéléré la propagation de la peste. Alors, il ne faut pas croire qu'au Moyen-Âge, on était dans un temps d'obscurantisme. Hein, les gens ont commencé à réfléchir, à essayer d'analyser ça scientifiquement. Et vous avez ici une image de ce qu'on appelle un médecin de peste. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur un médecin de peste? Il a un vêtement qui le couvre entièrement, pour éviter de toucher les gens, il a des gants, et il a ce masque un peu ridicule d'oiseau très long, qui était là pour la raison suivante. Il s'était dit, bon, ben, par quoi passent les maladies usuellement? Elles passent soit par le contact, soit par les miasmes, c'est-à-dire les vapeurs délétères qu'envoient les malades sur les personnes saines, et qui les contaminent.
Et donc, pour que l'air que je respire ne soit pas trop contaminé, je vais respirer à travers ce long bec, et ce long bec était rempli d'herbes aromatiques dont le parfum était censé combattre les miasmes. Ça n'a pas marché non plus. En fait, les biologistes ont mené l'enquête, et le coupable de la peste, c'est cette bébête, c'est la puce du rat. Les puces, elles mordent, elles vous pompent du sang pour se nourrir. Ce sont des petits vampires. Alors pourquoi la puce du rat est-elle coupable ? Parce qu'elle a une malformation. Au niveau de sa trompe, qui pince, il y a une sorte d'obstacle, une sorte de grille, qui fait qu'avant de pouvoir pomper du sang, elle est obligée d'en régurgiter une partie. Et donc quand elle a mordu du sang de quelqu'un contaminé, et qu'elle mord quelqu'un de sain derrière, elle va lui injecter la peste. Alors pourquoi elle s'attaque aux hommes, alors que naturellement elle s'attaque aux rats, c'est la puce du rat, mais elle s'attaque à l'homme quand elle a exterminé les rats, qu'il n'y a plus de rats. Donc la meilleure dératisation possible, c'est une bonne épidémie de peste. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Alors revenons à nos moutons. Maintenant, en cas d'épidémie, on appelle des experts. Donc je vous ai mis ici la photo du conseil scientifique qui a été constitué autour du président de la République et qui regroupe des médecins, des épidémiologistes, des urgentistes. Et puis, on ne voit pas bien, mais il y a ce monsieur ici. Et ce monsieur ici, il n'est pas médecin, il n'est pas épidémiologiste, mais pourtant il travaille à l'Institut Pasteur. Il est mathématicien. Alors il s'appelle Simon Cauchemet. Et vous avez ici sa page Wikipédia. Et qu'est-ce que je lis sur sa page Wikipédia ? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude ? Il est diplômé de l'ENSAE. Alors les top 1 qui sont ici connaissent peut-être l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. C'est une école qui recrute sur concours mathématique dont la spécialité sont les probabilités et les statistiques. Après ça, il a fait quoi ? Il a fait un DEA de biomathématiques et il a passé un doctorat en biostatistique. Ok, il a fait des mathématiques appliquées à la santé. Et quand on regarde ici, alors je n'arrive pas à lire ici, je vais revenir à mon écran, ce qu'il fait, il met en place des modèles permettant de quantifier l'impact d'interventions et de politiques publiques afin d'optimiser les stratégies de contrôle des épidémies. Et là, vous voyez pourquoi les mathématiques interviennent. Les mathématiques interviennent en aide aux politiques pour définir les politiques de santé publique. Alors, pourquoi les mathématiques sont-elles utiles pour ça ? C'est quelque chose qui a été comprise par les scientifiques dès qu'ils ont commencé à avoir la démarche expérimentale. Le plus fameux d'entre eux, parmi ces pionniers, c'est Galileo Galilei, qui a dit que la Terre tournait, était ronde et tournait autour du Soleil. Il est très célèbre parce que cette affirmation a permis d'avoir une controverse politique à l'intérieur de la curie romaine. Il y en a qui ont décrété qu'il devait être brûlé pour ça, il devait être hérétique, déclaré hérétique, et donc mourir ou bien se rétracter. Bon, il s'est rétracté, il n'a pas brûlé, mais ça a fait une publicité fabuleuse pour lui. Et Galileo Galilei avait compris la chose suivante. Il avait compris ce que c'était qu'un modèle. Il a dit, pour décrire ce qui se passe, donc c'est ce qu'il appelle la philosophie, est inscrite dans cet immense livre qu'est la langue mathématique. Donc avec ces mots avec des mots actuels, ça serait quoi ? C'est pour décrire la réalité, il y a des relations qui s'écrivent avec des mathématiques, entre ces choses. Et c'est le début de la modélisation. Alors à l'époque, c'était pas très clair ce qu'était un mathématicien par rapport à un physicien. Galileo Galilei, qui était professeur à Padoue, est-ce que c'est un mathématicien ? Est-ce que c'est un physicien ? Newton, c'est un mathématicien ou c'est un physicien ? Leibniz, vous avez lu Voltaire, vous avez lu le Candide, certainement, dans vos lectures de français. Candide, il se moque de son professeur Pangloss, qui disait « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ».
c'est la façon qu'a Voltaire de se moquer de Leibniz. Leibniz, qui est à la fois un grand physicien et un grand mathématicien, avait découvert que la nature avait tendance à placer des systèmes de sorte à ce qu'ils minimisent une énergie. Et il a mis au point une théorie pour décrire ces choses-là. Alors il a une empreinte profonde en physique, mais comme en même temps il a inventé des mathématiques pour être capable de répondre à ces modèles, il a aussi une empreinte profonde en mathématiques. Alors, voyons ce qu'est une épidémie maintenant. Tous les jours, on nous dit, ben voilà, aujourd'hui, il y a eu tant de morts, tant de personnes hospitalisées, tant de personnes ont guéri, tant de personnes ont fait ci. Et tous les jours, des nouvelles valeurs s'affichent. Et ça vous donne des choses comme ça, qui sont des courbes. Et on voit qu'il y a des choses qui montent et puis il y a des choses qui descendent. Alors là, vous avez quelque chose qui est en orange, la courbe du nombre de personnes qui ont été testées positives. Vous voyez, ça commence de rien du tout, ça explose, ça redescend, ça a un petit aplat, et puis ça remonte. Bon, ben ça, c'est le... Si je regarde les dates, février, mars, septembre, octobre. On est là. Ce que vous voyez, c'est que ben, y a des malades qui sont apparus. Puis j'ai d'autres courbes. Ici, j'ai une courbe qui est croissante, complètement, là, doucement. C'est le nombre de décès. Et on se doute bien que entre ces différentes quantités, il doit y avoir des relations. L'enjeu du modèle va être de décrire ces relations et de les écrire en termes mathématiques pour qu'on soit capable de reproduire à peu près ces courbes et de les comprendre. Alors, commençons par ça. Qu'est-ce qu'on a manipulé dans ce genre de choses? Quels sont les objets mathématiques que vous connaissez qu'on manipule? Des suites de nombres. Si je veux faire ça de manière continue en temps, je vais manipuler des fonctions. Et les relations entre les suites de nombres vont devenir des relations entre les fonctions. Excusez-moi. Et ça, ça va me donner des équations différentielles. Tout ça va me donner des modèles qui vont me permettre d'essayer de décrire la réalité. Et ces modèles vont faire intervenir des paramètres que j'essaierai de caler pour pouvoir éventuellement faire de la prévision. Alors, une petite remarque préliminaire, un modèle ne va jamais être juste. On n'aura jamais la prétention de connaître exactement la réalité. Notre modèle va juste essayer de décrire un phénomène avec une précision qui est ce qu'elle est. Elle sera suffisante ou elle ne le sera pas. Hein, on va essayer de faire ça de manière très simple. Je vais commencer par un premier modèle, l'attaque des zombies. Alors, vous avez peut-être tous déjà vu un film de zombies ou un jeu de zombies. Qu'est-ce qu'il y a dans ce genre de choses? Ben, il y a des vivants et des morts vivants. Un individu est soit mort vivant. On ne peut plus mourir. Une fois qu'on meurt, on est transformé en mort vivant. Et donc, je vais avoir deux variables dans mon problème. Je vais avoir le nombre de vivants à l'instant n, que je vais appeler Vn, et le nombre de zombies à l'instant n, que je vais appeler Zn. Ça, ce sont mes variables. Maintenant, il va falloir que je trouve des relations entre ces différentes quantités. Alors, quelles sont les lois du film de zombies? Si vous en avez déjà vu, vous savez qu'il se passe quoi? Une fois mort, ben, on est mort. Les zombies ont un petit travers, ils courent après les humains pour essayer de les transformer en zombies en les mangeant, ou en les tuant, je ne sais pas comment il faut dire. Ça dépend des films d'ailleurs. Et puis la loi 3, c'est que les humains passent leur temps à fuir, et ils n'ont pas le temps de se reproduire, et les zombies ne se reproduisent pas, d'ailleurs ils sont morts. D'accord? Alors essayons de traduire ces différentes lois avec des équations qui nous permettent de trouver des relations entre nos quantités d'intérêt, nos variables, le nombre de vivants et le nombre de zombies. Alors le point crucial, c'est d'essayer de décrire la loi 2.
La loi 2, c'est quoi ? C'est les zombies courent après les humains, les attaquent, les tuent et les transforment en zombies. Alors, ici, c'est typiquement ce que tout scientifique définirait à travers des observations. Alors, nous, nous sommes dans un monde un peu imaginaire, les zombies, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas faire d'observation, on ne peut pas voir comment ça réagit, donc on va choisir arbitrairement une façon de décrire cette interaction entre les humains et les zombies. Intuitivement, pour que des zombies attaquent les humains et que les transforment, il va se passer quoi ? Il va falloir déjà que les zombies rencontrent les humains. Donc si je n'ai pas de zombies, si je n'ai pas d'humains, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Donc je dois avoir un terme là qui vaut zéro quand il n'y a pas de zombies, quand il n'y a pas d'humains. Et puis plus il y a de zombies, plus il y a d'humains, plus il va y avoir de chances que les zombies y croquent les humains. Donc je m'attends à ce que ce soit des quantités qui soient croissantes en la population d'humains et à la population de zombies. Ok, bon, bah, je vais choisir ça de manière très simple. Je vais choisir que ça soit une relation linéaire entre les deux. La probabilité, entre la chance, le nombre de zombies qui apparaissent chaque jour, ben, il dépend de quoi ? Il dépend du produit, du nombre d'humains et du nombre de zombies. Et puis, je fais apparaître un petit paramètre alpha qui peut être interprété comme étant la probabilité que quand un humain et un zombie se croisent, le zombie l'emporte sur l'humain et le bouffe. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu plusieurs de ces films, il y en a dans lesquels les zombies ils courent comme Ben Johnson, ils font 7 secondes au 100 mètres, et il y en a d'autres où ils se déplacent à la vitesse d'un escargot. Bon, ben, suivant ces conditions, on se doute bien que l'humain il va avoir les chances plus grandes ou pas de prendre ses jambes à son cou et de ne pas se faire croquer. D'accord ? Donc alpha a cette interprétation-là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une loi qui s'écrit sous une forme mathématique, Vn plus 1 moins Vn est égal à moins alpha Vn moins Zn. Est-ce que tout le monde voit pourquoi j'ai mis un moins ? Ben, le moins, là, c'est juste pour dire que les humains, les vivants, j'ai écrit la variation du nombre de vivants, elle ne peut que diminuer. Donc ça doit être négative. OK ? Alors ce que j'avais écrit à côté, mon paramètre, je vais le choisir souvent positif, était une quantité positive. Alors ce type de loi, c'est ce qu'on appellera une loi phénoménologique. C'est ce que vous avez vu en physique quand vous avez écrit la loi d'Ohm. Vous avez tous vu la loi d'Ohm en physique. Vous avez fait forcément un TP avec des expériences. Vous avez pris une résistance, vous avez mis un ampèremètre et un voltmètre aux bornes et vous avez fait varier l'intensité dedans. Vous avez obtenu des points qui étaient alignés. Et puis on vous a dit, ah bah oui, c'est normal, il y a une relation linéaire entre les deux. Et le coefficient de la droite qui apparaît, c'est ce que je vais appeler la résistance R. Et on vous a dit, ben, ça c'est U égale RI. C'est typiquement une loi phénoménologique. Bon, ici, on l'a fait arbitrairement, on n'a pas fait d'expérience, hein. Ça ne va pas marcher comme ça. Et puis, maintenant, on va essayer de traduire la loi 3. La loi 3, elle nous dit quoi ? Elle nous dit, ben, les humains et les zombies ne se reproduisent pas. Donc la seule façon pour qu'il y ait un zombie qui apparaisse, c'est qu'il y a un humain qui soit fait croquer. Donc, j'écris quoi ? J'écris que la variation du nombre de zombies, c'est l'opposé de la variation du nombre d'humains. Chaque zombie créé, c'est un humain en moins. Ça, c'est une loi complètement différente, c'est ce qu'on va appeler une loi de conservation. Elle nous dit que la population totale est constante. Ben oui, les humains et les zombies n'ont pas le temps de se reproduire, ou ne le peuvent pas. Et puis, quand un humain meurt, il est transformé en zombie automatiquement, et les zombies ne peuvent pas mourir vu qu'ils sont déjà morts. Donc la population totale est une constante, et cette constante, c'est celle-là, c'est ce nombre que je vais appeler n. Alors maintenant, j'ai écrit mon modèle. Mon modèle, c'est ce système de deux relations de récurrence
entre les suites ZN et VN, qui représentent chacun quelque chose. Alors vous savez que quand vous avez une relation de récurrence comme ça, on peut calculer de proche en proche ce qui se passe, il suffit de connaître les valeurs initiales du nombre de zombies, du nombre d'humains, et le paramètre alpha pour calculer de proche en proche tout ce qui se passe. Alors là, je vais commencer à faire un petit peu de maths. Je remarque que je peux en fait considérer qu'une seule variable. Puisque la somme Vn plus Zn est constante, je peux supprimer la variable Zn. Et si je fais ça, j'écris tout simplement en termes du nombre de vivants Vn. Et j'obtiens une relation de récurrence qui est Vn plus 1 égale Vn moins alpha Vn grand N moins Vn, qui est une relation de récurrence standard, F égale Un plus 1 égale F de Un, de Vn, pardon, avec une fonction F qui est juste quadratique. C'est ce qu'on appelle le modèle logistique qui apparaît très souvent dans les exercices, même au lycée, je pense. Et alors maintenant, ça c'est quelque chose d'important, parce qu'on va voir apparaître la différence entre le modèle et la réalité. Je vous ai dit, Vn, quand je l'ai construite, c'était le nombre d'individus vivants. Zn, c'était le nombre d'individus qui étaient transformés en zombies. Donc ce sont des entiers. Maintenant, je regarde cette relation de récurrence. Je suppose que V0 et grand N sont des entiers. Et je me rends compte que Vn plus 1, c'est V0 moins alpha, V0 n moins V0. V0 n moins V0, c'est un entier, mais quand je multiplie ça par alpha, un réel quelconque, mathématiquement, j'obtiens quelque chose qui est un réel, qui n'a plus aucune raison d'être un entier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de profond. Ça veut dire que mon modèle, Vn était censé être un nombre entier, un nombre d'individus vivants, mon modèle n'est pas capable de décrire ça. Il me fait passer dans un monde mathématique dans lequel je travaille avec des réels, pas avec des entiers. Donc, ce que j'ai construit, ça ne peut pas être la réalité. Mais ça va me permettre de décrire un peu ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que dès qu'on fait de la modélisation, on ne veut pas être embêté avec cette histoire de je travaille dans les entiers, mais en fait, c'est plus un entier, c'est un réel, etc. On va faire ce que font les physiciens, c'est qu'on va travailler avec des quantités adimensionnées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dimension? C'est la nature de la grandeur qu'on regarde. Ça peut être une longueur, ça peut être une masse, ça peut être une intensité, etc. C'est ce que, dans le langage quotidien, on va dire, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Je ne peux pas les additionner comme ça. Donc pour faire ça, on va diviser chaque population, Zn, population de zombies, Vn, la population de personnes vivantes, par la population totale, grand N. Ce qui fait qu'on travaille non plus sur des entiers, mais avec des réels dès le début, et notre relation de récurrence laisse stable l'ensemble des réels, c'est-à-dire qu'un réel, elle associe un réel et on a une suite de réels. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est faire joujou avec Python et faire des petites simulations. Alors dans ces simulations, vous voyez pas forcément très bien, j'ai une courbe bleue et j'ai une courbe rouge. La courbe bleue, c'est ma population de personnes vivantes. Ma courbe rouge, c'est ma population de zombies. Ramener aussi l'équation adimensionnée, donc c'est une proportion entre 0 et 1. Je vois que je démarre avec quasiment que des vivants. En fait, j'ai pris 10-5 comme zombies. Donc il y aurait un zombie ou deux zombies sur la ville de Pau. D'accord ? Et puis je me suis fixé une valeur du paramètre alpha. Alors j'ai pris un alpha égale 0,9, ça veut dire que les zombies ils ont quand même pas mal de chances de vous croquer. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vois qu'en moins de 3 semaines, le nombre de zombies explose d'un seul coup. Elle passe d'une valeur qui est quasiment négligeable à quasiment tout le monde a été croqué. Donc ce jour-là, c'est quoi ? C'est le jour de l'apocalypse. Il n'y a plus d'humains. Tout le monde a été transformé en zombie.
Et qu'est-ce que je m'amuse à faire ici ? Ben, je m'amuse progressivement à diviser par deux le taux de contamination, c'est-à-dire le coefficient alpha là, qui décrit le fait que les zombies sont efficaces ou pas. Eh bien, en fait, qu'est-ce que je vois ? Je vois que je décale ce jour de l'apocalypse vers le futur, mais je ne peux pas l'éviter. Dès que alpha est non nul, dès que les zombies ont une chance quelconque de vous croquer, même par accident, eh bien, l'espèce humaine va s'arrêter. D'accord ? Donc la morale de cette histoire, c'est quoi ? On se fout des zombies, on se fout de ces choses-là, c'est pas la réalité. Mais ça nous montre que construire ce modèle mathématique nous a fait comprendre que le paramètre qui apparaît, alpha, a un rôle important. Si vous êtes là, qu'est-ce que dans tous les films de zombies, qu'est-ce qui se passe ? Les humains se rassemblent, essayent de combattre les zombies, et puis la scène finale, c'est l'assaut des zombies contre le dernier bastion des humains, c'est l'apocalypse. Ils se sont réagis, ils ont réagi, ils ont réagi, ils ont repoussé l'inéluctable, mais l'inéluctable, elle arrive toujours. Ce à quoi on s'attend, vu les lois qu'on a mises. Alors, regardons un peu ce qui se passe maintenant pour des modèles un peu plus compliqués qui ont été utilisés pour les maladies. Le modèle le plus connu, c'est un modèle proposé en 1927 par des épidémiologistes américains. Et la maladie cible était la variole. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent la variole. Par contre, je sais qu'il n'y a aucun d'entre vous qui l'a eu. C'était une maladie extrêmement grave qui frappait en Europe de manière très régulière, qui, par exemple, a décimé la famille de Louis XIV à la fin de son règne. Et ça a été la première maladie pour laquelle on a eu des modèles à une fin de santé publique, c'est-à-dire de placer une politique de vaccination. Alors la variole avait une propriété très intéressante, c'est qu'une fois que vous l'aviez eue, si vous y avez survécu, vous ne pouviez plus l'attraper. Exactement comme la varicelle. La varicelle, on ne peut pas la faire deux fois. Ça ressort sous forme de zona. Et ça, c'est quelque chose de très sympathique parce qu'il n'y a plus que trois possibilités pour un individu. Soit l'individu n'a jamais été en contact avec la maladie. C'est ce qu'on appelle un individu sain. En anglais, susceptible, qui est susceptible d'être contaminé et d'attraper la maladie. La deuxième catégorie, c'est les personnes qui ont la maladie, ils sont infectés. Et la dernière possibilité, c'est les personnes qui ne sont plus malades après l'avoir été. Donc c'est ce qu'on va dire les personnes « removed » en anglais, ça veut dire qui ont été enlevées de tout ça. Il y a deux possibilités, soit elles sont mortes, soit elles ont guéri. Mais si elles sont guéries, elles ne peuvent plus rattraper la maladie. D'accord ? Donc il ne faut pas croire ici hein, que quand je dis personne guérie, dans la suite de l'exposé, ce n'est pas les personnes mortes. On peut mourir ici. Simplement, on ne peut plus attraper la maladie. Alors, quel est le modèle après ? Ben, ils supposent une chose. Ils ont constaté qu'une personne guérie ne peut plus être infectée. Et ils ont constaté que la contamination des individus, de l'un à l'autre, était proportionnelle, empiriquement, là il y avait des expériences, à la proportion d'individus sains, à la proportion d'individus malades et à la durée d'exposition, c'est-à-dire à l'intervalle de temps pendant lequel on mettait les gens en contact. C'est quelque chose de très classique dans la plupart des épidémies. Alors, schématiquement, ça se traduit comment ? Ça se traduit par, j'ai trois variables, la proportion de ces personnes susceptibles d'attraper la maladie, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été en contact avec, ce que je vais appeler S, qui va être une fonction du temps, la proportion de personnes qui sont malades, que j'appelle I, qui est aussi une fonction du temps, et la proportion de personnes qui ont guéri ou qui sont mortes, que j'appelle R, qui est aussi une fonction du temps. Et je peux passer que de la catégorie saine à la catégorie infectée, et j'y passe avec un certain taux de transmission, taux de contamination, qu'on appelle bêta, que je vais supposer constant en temps, et je peux guérir ou mourir avec un certain taux gamma.
D'accord ? C'est clair la situation pour tout le monde ? Donc j'ai trois catégories pour chaque individu possible. Soit on est sain, soit on est malade, soit on est guéri ou mort. Et on ne peut passer que d'une étape à l'autre. Il y a une hiérarchie. Alors ça, ça se traduit mathématiquement par cette jolie équation. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? J'ai écrit que c'est un système d'équations différentielles. C'est-à-dire que j'ai des inconnus, S, I et R, qui sont des fonctions. Et on dit que c'est différentiel parce que ici j'ai des dérivés. Donc j'ai des relations qui font intervenir les dérivés des fonctions en fonction des différentes elles-mêmes. Et c'est un système, c'est une expression que vous connaissez dans les systèmes linéaires, 2, 2, 3, 3 d'équations que vous obtenez quand vous faites des intersections de droite ou des intersections de plan. D'accord ? Ici, j'ai trois équations parce que j'ai trois inconnus qui sont ces fonctions S, I et R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Si je regarde la dernière relation, j'ai une dérivée ici. Qu'est-ce que c'est qu'une dérivée ? C'est la limite du taux d'accroissement, du taux de variation. Je regarde ce qui se passe entre les instants t plus dt et l'instant t. D'accord ? Donc j'ai deux instants. Entre les deux, je vais regarder la variation du nombre de personnes qui ont guéri. C'est quoi les individus qui ont guéri entre l'instant t et l'instant t plus dt ? Ben ça, ça m'est donné par ma loi phénoménologique. C'est quelque chose qui est proportionnel au nombre de personnes qui étaient malades fois la durée dt entre les deux instants que multiplie le coefficient gamma, qui est le taux de guérison. Et vous pouvez faire la même chose pour chacun de ces relations. Vous avez ces équations bilan. Vous faites le bilan des individus qui ont guéri entre les instants t et t plus dt. Et vous passez à la limite après en faisant tendre la durée de cet instant vers zéro. Donc pour les élèves de prépa, c'est quelque chose que vous avez dû voir plein de fois en physique déjà, ce genre de raisonnement. Mathématiquement, ça amène plein de questions. Et comme on m'a dit qu'il y avait pas mal de top 1 parmi vous, je vous donne un petit exercice pour les secondes années, les SPE. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire qu'on va passer à la limite dans des suites de fonctions affines par morceau, dont les valeurs nodales sont définies par une récurrence qui correspond exactement à le même type de modèle que le premier modèle que nous avions écrit sur les zombies. Je construis des suites par récurrence qui me permettent de décrire des fonctions, parce qu'elles sont affines par morceau, donc il suffit de connaître leurs valeurs nodales. Et exercice, montrer que cette suite de fonctions converge vers la solution du système d'équations différentielles que j'ai écrite précédemment. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas encore en SPE ou qui n'ambitionnent pas du tout de faire une SPE, sachez que c'est grâce à ça que j'ai pu produire les figures que je vais vous montrer maintenant. Alors voilà, si j'utilise cette petite suite définie par récurrence, je vois que typiquement j'ai des courbes de ce type. Alors maintenant j'ai trois couleurs parce que j'ai trois compartiments, j'avais les sains, les guéris et les malades. Initialement, tout le monde était sain sauf un tout petit peu de malades. Et qu'est-ce que j'observe ? J'observe que très très vite, les personnes malades connaissent un pic. Donc le nombre de personnes guéries suit progressivement et disparaît. Alors dans ce modèle très simple, je vois que j'ai ce qu'on dit actuellement à la radio, la première vague. Je n'ai pas de seconde vague possible. Une fois que tout le monde a été malade, ben, j'ai acquis une immunité, je ne peux plus tomber malade. D'accord ? Encore une fois, imaginez bien que cette courbe jaune, c'est le nombre de morts plus le nombre de personnes guéries. Je n'ai pas dit la répartition. Alors, la question importante, c'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cette simulation, c'est une vraie description de la réalité ou est-ce que c'est vraiment lié au choix des paramètres que j'ai utilisés, c'est-à-dire les taux de guérison, les taux de transmission et les données initiales ?
Ça, c'est l'objet des mathématiques. Les mathématiciens, ils vont vous dire la chose suivante. Ce modèle que l'on a écrit ici, hop, eh bien, il a les bonnes propriétés qui sont, ben, il existe une solution. Et puis, cette solution, elle existe pour tous les temps. Les fonctions du nombre de saints, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes guéries ont une limite finie, entre 0 et 1. Et on va même être plus précis, on va vous dire que cette épidémie va s'éteindre, le nombre de personnes malades va tendre vers 0, sans que vous ayez rien à faire. Simplement. Simplement, c'est un résultat qui est asymptotique, au sens qu'il va être vrai à la limite t tendant vers plus l'infini. Mais l'infini, c'est loin. Hein, comme chantait Queens, qui veut vivre pour toujours, personne ne vivra éternellement. Donc, vous dire que l'épidémie va s'éteindre en temps infini, ça nous fait une belle jambe. Et ce n'est pas ça qu'on souhaiterait. Ce qu'on souhaiterait, c'est savoir est-ce qu'on peut éteindre l'épidémie, c'est-à-dire diminuer le nombre de malades, le plus vite possible. Et pour faire ça, on va se poser la question de qu'est-ce que nous dit ce modèle ? Faire diminuer le nombre de malades, c'est dire I est une fonction décroissante du temps. Donc, théorème de base, que vous avez appris en première, pour savoir si une fonction dérivable est décroissante, qu'est-ce que je regarde ? Je regarde le signe de sa dérivée. Ça se tombe bien, la dérivée de I, elle m'est donnée par le modèle. C'est quoi ? C'est bêta S de T, I de T, moins gamma I de T. Je mets en facteur gamma I de T, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens bêta sur gamma S moins 1. Donc, cette dérivée a le signe de cette quantité, vu que ça c'est positif. Et je vais poser R0 égale bêta sur gamma. Alors, si vous avez écouté la radio ou regardé la télé dernièrement, R0, ben, vous en avez entendu parler. C'est ce fameux nombre qu'on essaye de réduire par des politiques de confinement. Ce n'est rien d'autre que le rapport entre le taux bêta de contamination divisé par gamma, le taux de guérison. Alors, comme S est compris entre 0 et 1, ben je vois que si R est plus petit que 1, R fois S va être plus petit que 1, et ça, c'est négatif. Donc, si R est plus petit que 1, l'épidémie diminue. Alors, ce qu'on peut prouver, mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est le théorème du seuil. Si R0 est strictement plus grand que 1, alors en fait, I croît, atteint son maximum, puis décroît, étant vers 0. C'est la situation que je vous avais présentée dans le premier graphique qu'on retrouve ici. R est plus grand que 1, mon nombre de malades augmente, passe par un maximum, et puis décroît tranquillement pour aller tendre vers 0. Maintenant, si R est plus petit que 1, eh ben, je ne passe pas par cette phase de croissance puis décroissance. On est directement décroissant. Qu'est-ce que ça veut dire ? En pratique, ça veut dire que l'épidémie s'éteint d'elle-même. Pas besoin de traitement, pas besoin de vaccin. Alors, revenons à notre problème. Ce théorème du seuil dont on nous a parlé, pourquoi ? On nous en a parlé parce qu'il a servi à expliquer ce que nous subissons tous actuellement. Le fait que vous êtes au lycée une semaine sur deux, vous êtes avec des masques, vous avez du confinement au premier semestre, premier trimestre de cette année, vous avez de nouveau du confinement maintenant et tout le monde subit ça. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on a comme paramètre ? On a le taux de contamination et le taux de guérison. Regardons la Covid. On n'a pas de traitement. C'est une nouvelle maladie. Les médecins n'ont pas encore mis en place des médicaments dédiés. Ou quand il y en a, ils discutent toujours de l'efficacité. Ça veut dire que le taux de guérison, ben on ne peut pas y jouer avec. Ce sur quoi on peut jouer, c'est le taux de transmission. Le taux de transmission, c'est ce que je vous avais expliqué avec les zombies. Quand les zombies sont... bougent beaucoup, ben,
le taux est plus important. C'est pareil ici. Si vous coupez les contacts entre les gens, ben vous diminuez le taux de transmission mécaniquement. D'où le confinement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, vous voyez, je me suis amusé ici à prendre différentes variables. J'ai pris le même taux de guérison et j'ai diminué progressivement le taux de transmission. Qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit d'une situation où on a un pic épidémique très fort. On va passer à une situation où le pic épidémique est diminué. Et si vous continuez à diminuer, là je suis passé à R égale 1, le cas critique, ben, le nombre de malades diminue tout seul et il n'y a pas de pic épidémique. D'accord ? Donc c'est pour cette raison-là, sur ce modèle très simple, qu'on vous dit ben, il faut confiner. Donc j'ai divisé juste le R0 par 2 à chaque fois. Et maintenant, on nous parle de vaccin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ? Et est-ce que notre modèle va être capable de prendre en compte un vaccin ? La réponse est oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ? Ben, là encore, un peu d'histoire. On revient avec notre maladie, la variole. La variole était endémique en Europe et en Asie, mais elle était complètement inconnue en Amérique. Et donc, quand les conquistadors sont arrivés en Amérique, ils ont vaincu les empires aztèques, incas, etc. Mais si vous regardez l'évolution de la population indigène ou endémique des Amériques, elle a été plus que décimée en un siècle. Il ne faut pas croire que les conquistadors étaient des monstres qui passaient au fil de l'épée des populations entières. Ils n'ont pas importé de la main-d'œuvre esclave d'Afrique alors qu'ils auraient pu l'avoir, la main-d'œuvre sur place. Ils n'étaient pas idiots, même les pires monstres ne font pas ça. Non, ce qui a décimé les populations indigènes, c'est la variole. Les indigènes ne connaissaient pas la variole, n'étaient pas protégés, comme les populations européennes. Et c'est ça qui a réduit de manière considérable les populations indigènes d'Amérique. On a fait le vide jusqu'au 19e siècle en Patagonie en distribuant des couverture contaminée au Patagon. Donc vous avez un codex, une illustration là, des effets de la variole chez des indigènes dans un codex espagnol du XVIe siècle. Alors en Europe et en Asie, on avait repéré quand même que, comme je vous ai dit, la variole ne repassait pas deux fois au même endroit. Si vous l'aviez eu, vous étiez guéri, vous étiez immunisé à vie. Donc, dès l'an 1000, les Chinois, qui souffraient aussi de la variole, avaient mis au point une technique qui s'appelait la variolisation. C'est-à-dire qu'on repérait quelqu'un qui avait eu la variole, qui avait eu une petite crise, et on le mettait en contact avec les gens qui ne l'avaient pas encore eu. Et un peu comme les tests maintenant, ils prenaient une plume, ils le mettaient dans le nez, et ils repassaient au nez de l'autre. Cette technique a suivi les routes de la soie. La route de la soie, c'est passé par l'Empire ottoman et c'est arrivé en Europe beaucoup plus tard, au XVIIe siècle. Ça a été popularisé par Voltaire, mais ça ne s'est jamais réellement popularisé ou complètement développé parce qu'elle avait un gros défaut. Ça voulait dire que vous attrapiez la variole et on ne contrôlait pas si vous alliez la faire une forme faible ou une forme mortelle. Donc la vaccination, à l'époque, vous aviez en gros une chance sur 3 de mourir. Et deuxième problème, c'est qu'en faisant ça, vous créez des foyers infectieux. Donc il y avait des hôpitaux, des sortes de cliniques, où les gens étaient enfermés pendant la crise de variole. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'est développé, et ce n'est pas ce qu'on appelle un vaccin. Le vaccin, ça vient d'une remarque et d'une observation qui a été faite à la fin du XVIIIe siècle, par Edward Jenner. Edward Jenner, c'était un médecin anglais, et il avait remarqué que les vachers présentaient des pustules similaires à celles de la variole et n'attrapaient pas la variole. Et il a identifié que les pustules qu'ils avaient étaient en fait
la preuve qu'ils avaient attrapé une maladie de la vache, la maladie jumelle de la variole, mais pour la vache, qu'on appelle la vaccine. Alors, en anglais, la variole, c'est pox, et la vaccine, c'est cowpox. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une démarche expérimentale. Il a trouvé quelqu'un qui avait une belle pustule de vaccine. Il a trouvé un gamin. Il l'a piqué avec une plume qu'il avait trempée dans la pustule de la personne malade de la vaccine. Le gamin, je ne sais pas s'il lui avait demandé son avis, il a développé une belle pustule de vaccine. Et après, il a essayé de lui inoculer la variole. Et il n'a jamais réussi. Qu'est-ce qu'il a montré expérimentalement ? Ben, il a montré que le fait d'avoir attrapé la vaccine vous protégeait de la variole. Vous ne pouviez plus l'attraper. C'est ça qu'on appelle le vaccin. Vous attrapez une protection définitive contre une maladie en ayant eu une forme affaiblie ou une forme cousine. Le vaccin, c'est vaccine. En anglais, c'est le même mot. Alors, dans notre modèle, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je résume ce que fait un vaccin. Un vaccin, il vous donne une immunité à la maladie. Donc, vous ne pouvez plus l'attraper. Donc, ça veut dire qu'au lieu de démarrer avec une population saine, je démarre avec une population qui est déjà en partie dans la partie guérie, qui ne peut plus l'attraper. Donc, par rapport aux courbes que je vous ai montrées, où il y avait un pic épidémique qui montait, qui redescendait, qu'est-ce que je fais ? Ben, je démarre après le pic épidémique. C'est ce qu'on voit là. On démarre après le pic épidémique, idéalement. Mais évidemment, ça va dépendre de la proportion de la population qui est vaccinée, qui a été transportée de l'autre côté. Donc là, vous voyez, avec les mêmes paramètres, une configuration où j'ai vacciné 20% de la population, ben, j'ai un pic épidémique. Population où j'ai vacciné 40% de la population initialement, le pic épidémique est beaucoup plus faible. Et si j'ai vacciné 60% de la population, j'ai plus de pic épidémique. La maladie se guérit d'elle-même. C'est ça qu'on vous a essayé de décrire quand on vous a parlé d'immunité collective. Je ne sais pas si vous avez entendu cette chose, il faut que 60% de la population soit immunisée. Mais ça revient à dire qu'il faut que 60% de la population qui soit vaccinée. En deçà de ce seuil, ça servira à atténuer le choc, mais ça ne permettra pas d'éradiquer. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce modèle que je vous ai présenté, le modèle CIR, vous êtes d'accord avec moi, il n'est pas si compliqué que ça. J'ai trois paramètres, trois variables, deux paramètres. Eh bien, il a quand même permis de réaliser l'une des réalisations majeures de l'humanité au XXe siècle, qui est l'éradication de la variole. À partir de 1947, l'OMS, fraîchement créée, a développé partout dans le monde la vaccination antivariolique. Et en 1987, on a eu le dernier cas de variole qui a été repéré en Somalie. Depuis 1987, il n'y a plus de variole connue sur le monde, à part dans quelques laboratoires qui conservent la souche. C'est une réussite extraordinaire. Et ce qui a permis cette chose, c'est ce modèle qui a été présenté aux responsables politiques en leur disant, voilà, si on arrive à faire ça, si on arrive à vacciner 30% de la population mondiale, alors on va réussir à éradiquer la maladie. Ça, c'est une réussite majeure qui a été permise par des modèles simples. Alors, on nous parle maintenant, nous sommes dans la seconde vague. Alors, vous voyez mon modèle, toutes les simulations que je vous ai décrites, le théorème du seuil vous dit, ben, il n'y a pas de seconde vague, ce n'est pas possible. La fonction, le nombre d'infections, soit il est décroissant, soit il est croissant, il passe par un maximum au moment du pic épidémique, et puis il décroît. Bon, monsieur, vous nous dites n'importe quoi, on voit bien qu'on est dans une deuxième vague, et on nous dit qu'il va falloir se préparer à une éventuelle troisième vague. Ok. Alors ça, c'est possible dans mon modèle. Je vais essayer de vous présenter deux pistes.
La première piste, c'est ce qui s'est passé. On nous a confinés, puis on nous a déconfinés, et on nous a reconfinés. Alors j'oublie la phase de reconfinement, je prends une évolution. Ici, je vous présente le R0. Donc je prends une situation catastrophique initialement, R0 égale à 10, l'épidémie se propage extrêmement fort. Je mets un confinement très efficace, ça m'amène à 0,3 taux de transmission. Donc là, on est quasiment tous des pères chartreux, chacun dans sa cellule. Hein. Et puis ça dure pendant une vingtaine de jours, pour la dynamique que j'ai choisie, pour les paramètres que j'ai choisis. Puis je constate que quoi ? Je constate que mon pic épidémique est passé. Je suis revenu à ma configuration initiale. Et donc, je relâche le confinement. Je dis, ça revient à la normale. Qu'est-ce qui se passe ? Immédiatement, j'ai un deuxième pic. Pourquoi ? Parce que la population saine est encore à un niveau élevé. Je n'ai pas atteint l'immunité. Et donc, la maladie peut se repropager. Elle peut se repropager moins parce que la première vague a servi de vaccination à une partie importante de la population. Donc la seconde vague est plus faible que la première, mais elle existe. Et si je recommence, c'est pareil. En dessous, j'ai été faire la même chose avec une politique de déconfinement plus sauvage encore. Le R0 remonte au R0 initial et je revois exactement la même chose. Donc, quand on sera déconfiné, il faudra faire attention à ne pas reprendre les choses comme elles étaient, le temps qu'on n'ait pas de médicaments ou de vaccins. La deuxième possibilité, c'est quelque chose qu'on a évoqué, qui est la perte d'immunité. On nous a dit, dans le Covid, il y a des gens qui ont été malades et qui le refont. Ça veut dire que l'hypothèse que j'avais faite, ma loi 3, une fois que vous étiez guéri et immunisé, elle n'est pas vraie. Vous pouvez perdre cette immunité. Ça veut dire que j'ai une flèche ici en plus qu'il faut que je rajoute, que j'ai rajouté volontairement à la main, qui vous dit que vous pouvez redevenir susceptible d'attraper la maladie avec un certain taux delta de perte d'immunité. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais rajouter dans mon modèle un nouveau terme correspondant à cette flèche qui dit que les personnes qui étaient immunisées peuvent de nouveau devenir contaminées, que ça, j'ai un taux de perte qui revient ici, et ce terme ici, je le retrouve là, de sorte qu'il y a des conservations de la population totale. Et bien voilà ce qu'on obtient si je fais une petite simulation semblable avec les mêmes paramètres que la première que je vous ai montrée. Vous voyez que le nombre de malades, pouf, il monte. Il redescend, il remonte, et ainsi de suite. Et là, il fait une petite vague, mais on ne le voit pas bien. Par contre, on le voit très bien sur l'évolution du nombre de personnes immunisées. Ma première vague me mène plein de malades, plein de personnes guéries. Hop ! Et puis, là, je ne suis plus dans l'épidémie, dans la première vague, elle s'est éteinte. Donc, j'ai plus de malades, plus de générations de personnes guéries, vu que j'avais plus de malades. Et ils perdent leur immunité progressivement. Et là, j'arrive à un moment où elle n'était pas complètement éteinte. J'avais pas 0. J'avais 10-5, 10-6. Une personne sur Pau ou une personne sur Toulouse qui était contaminée. Mais maintenant, elle va être de nouveau en contact avec suffisamment de personnes qui ne sont pas immunisées pour que l'épidémie reparte. Ça fait une deuxième vague qu'on revoit tout de suite ici. Et ainsi de suite. Et on peut montrer que dans ce cas, en temps très long, on ne voit plus la vague, mais il y a un mélange entre les personnes malades, les personnes saines et les personnes immunisées. C'est ce qui se passe pour plein de maladies de type la grippe, etc. La varicelle. Il y a des gens malades tout le temps, très peu. Ce n'est pas très grave pour le système de santé, on s'est soigné, et on ne va pas se fatiguer à éradiquer la maladie, ça coûterait trop cher. OK ? Donc, ce phénomène de perte d'immunité peut nous dire qu'on va vivre avec la maladie de manière définitive. On ne le verra même plus, ça sera toujours les mêmes taux de malades, d'immunisés, etc. Et alors maintenant, j'arrive à typiquement les modèles qui sont utilisés pour le Covid, pas les modèles utilisés pour la variole. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'on vous a dit qu'il y a des symptomatiques, des asymptomatiques, etc.
Il y a une période pendant laquelle vous avez été contaminé, mais vous ne présentez pas les symptômes, etc. Et puis même quand vous êtes malade, il y a ceux qui ont été détectés et ceux qui n'ont pas été détectés. D'accord ? Donc vous avez un modèle, les personnes saines, les personnes qui ont été exposées, qui ont été infectées, qui vont devenir contaminantes, mais qui n'ont pas encore été, qui ne développent pas les symptômes. Ceux qui développent les symptômes, que je repère, ceux que je ne repère pas, et puis ceux qui guérissent. Et on ne sait pas s'il y a un feedback, parce qu'on ne sait pas s'il y a perte d'immunité. Les données médicales ne sont pas encore suffisamment claires pour ça. Et vous pouvez agir partout. Vous pouvez agir ici, sur le taux de contamination, avec les politiques qu'on a vues, etc. Le modèle est un peu plus compliqué, vous l'avez ici. Au lieu d'avoir juste 3 équations, j'ai 5 équations. Pourquoi ? Alors que j'ai 6 compartiments, parce que la population totale est supposée constante. Je ne prends pas en compte les effets de natalité et de mortalité naturelle exogène à la maladie en place, donc je peux éliminer une des variables par rapport aux autres. Mais l'analyse qui est derrière est essentiellement celle qu'on a vue sur le modèle de la variole. Les mêmes conséquences sont vraies. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'un modèle simple permet d'éclairer une épidémie et de comprendre pourquoi on nous demande, à tous, de respecter un certain nombre de choses. Évidemment, comme toujours en santé publique, tout est question de proportion. J'espère vous en avoir convaincu. Si un certain taux de la population est vacciné, c'est toute la population qui s'en sort. Alors ça veut dire qu'individuellement, si vous dites qu'il faut que 60% de la population soit vaccinée, je n'ai pas besoin de me faire vacciner si les autres le font. Est-ce que les questions se posent vraiment en ces termes ? Après, qu'est-ce qu'on a, j'essaye de vous faire passer comme message, c'est qu'une modélisation, ça reste des outils mathématiques. Ça permet de comprendre les actions des différents paramètres sur une situation. Alors, il présente la rigueur des mathématiques. Je vous ai énoncé un théorème, etc. Mais il faut jamais oublier que tout ce que j'ai décrit dépend de paramètres. Il y a deux choses. Ça dépend de paramètres que j'ai supposés connus, et ça décrit de manière très grossière la réalité. Je vous ai montré des lois d'interaction entre les individus. La proportionnalité aux populations de sains, populations de malades, etc. Ça reste quand même très discutable. Donc je suis dans un contexte idéalisé, je suis avec des paramètres que je suppose connus. Et en fait, les paramètres, on n'a aucune raison de les connaître. On n'est pas dans la situation physique où on peut faire des expériences et reproduire. Vous n'allez pas dire, je vais lancer une épidémie de Covid pour mesurer les paramètres. Non. Et puis on veut prendre des décisions rapidement. Donc vous observez ce qui se passe au début de l'épidémie. Donc le travail des collègues qui ont mis en place le modèle que je vous ai montré sur le Covid, ils ont fait des choses comme ça. Alors vous avez des points et vous avez des courbes. Les points, c'est ce qui a été observé en Chine continentale. Les courbes, c'est la réponse du modèle avec certains jeux de paramètres. Et vous voyez, ça fit ou pas. Le calage de modèle, qui est une branche importante des mathématiques appliquées et qui est indispensable pour pouvoir faire de la prévision et définir des politiques publiques, c'est ça. C'est trouver les paramètres de notre modèle pour que ça corresponde à ce qu'on observe effectivement, c'est-à-dire les points. Faire matcher, caler les courbes sur les points. Et ça, c'est quelque chose de difficile. C'est une autre histoire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir convaincu que les mathématiques, ce n'est pas juste faire des exercices, ce n'est pas juste avoir des bonnes notes ou pas pour être dans une classe ou une autre. C'est quelque chose qui sert et qui sert à la société tout entière. Est-ce que vous avez des questions ?
Bon, la première question est parfois la plus difficile à poser, donc je vais la poser, et puis peut-être que ça donnera l'idée à des élèves de poser une autre question ensuite. Marc, tu as utilisé, dans ton premier modèle, le modèle qui concerne les zombies, tu as utilisé l'outil numérique qui s'appelle les suites numériques. Et dans ton deuxième modèle, le modèle SIR, tu as utilisé en fait les équations différentielles. J'aimerais savoir s'il y a des avantages et des inconvénients à utiliser un outil plutôt qu'un autre dans le cadre de ces modélisations. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qui est fondamentale de l'outil qui est pertinent ou pas. Je vais avoir une réponse un peu de Normand. En tant que mathématicien, je préfère avoir un modèle basé à base d'équations différentielles parce que j'ai des outils, j'ai des théorèmes qui me permettent de déduire des choses sur la solution de manière beaucoup plus simple que pour les suites numériques. Vous avez déjà sûrement rencontré des exercices où on vous demande de montrer qu'une suite est décroissante. Ce n'est pas toujours si facile que ça, ça peut être astucieux. Si vous avez une fonction dérivable, vous calculez la dérivée et puis vous regardez le signe. C'est beaucoup plus simple. Alors les théorèmes auxquels je fais allusion sont pour répondre à des questions plus compliquées, de comportement en temps très long, de stabilité d'état, etc. Mais j'ai un arsenal d'outils à ma disposition qui me permet d'avoir un marteau-piqueur pour du côté des équations différentielles, alors que j'ai une truelle du côté des suites, en général. Alors, non, je dis que c'est une réponse de Normand, parce que pour faire des simulations, pour vous présenter les courbes, ben, ce n'est pas quelque chose que je peux faire avec des fonctions. Je suis obligé de discrétiser ces fonctions. Et donc, en fait, je suis amené à reconsidérer des suites. Donc, en tant qu'analyste, c'est-à-dire personne qui étudie des objets qui sont des suites, des nombres, eh bien, je passe mon temps à faire l'aller-retour entre les deux. La grande question, c'est on considère des suites ou des fonctions, on discrétise et on fait l'analyse après ou on fait l'analyse dans le monde des fonctions, dans le monde continu, et on discrétise après pour faire une résolution numérique. In fine, quand ça passe dans un ordinateur, c'est toujours des suites. Pour faire l'analyse, pour comprendre ce qui se passe, c'est souvent des fonctions. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Voilà, bien, écoutez, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette intervention qui était vraiment exceptionnelle. Merci à vous, mesdemoiselles, pour cette très belle présentation que vous avez été amenée à faire du parcours, de votre parcours, monsieur. Et puis, on va être amené, je suis absolument désolé, à devoir interrompre, donc remercier l'ensemble des participants ici réunis. Remercier aussi nos partenaires techniques, la Kimamovi et Pau Digital Factory, qui ont été amenés à œuvrer pour que cette expérience soit une réussite. Et puis peut-être un dernier mot pour l'ensemble de l'équipe enseignante qui vous a sollicité et qui est à l'origine de ces conférences scientifiques et qui permettent une belle respiration dans notre établissement. Merci à tous et puis un très bon week-end en suivant. Merci pour l'invitation et puis bonne continuation pour vous.